Donc là, on va appeler le commissariat de parce que en fait, aujourd'hui, c'est le début du Ramadan et je me suis baladé tout à l'heure et j'ai aperçu quelque chose d'un peu suspect. Et voilà, faudrait que je les prévienne parce que faut intervenir au plus vite. Donc c'est parti. Bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que là, il m'est arrivé quelque chose. C'était vers le McDonald's de. J'ai vu un monsieur en fait qui était arabe, enfin je crois qu'il était arabe. Et qui mangeait dans le McDo. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le Ramadan depuis aujourd'hui. Et je voulais savoir du coup ce qu'il fallait que je fasse, comment, quelle est la procédure que je dois suivre, comment, est-ce que je vous prends une photo et je vous l'envoie, ou est-ce que je vous, comment, quelles équipes vous pouvez pas envoyer? Il est peut-être arabe, mais pas musulman. Hein. S'il fait pas le ramadan, il a le droit. Bah, en fait, il parlait avec des mots d'arabe. Je pense que normalement, il devrait faire le ramadan. Et du coup, je sais quelle est la sanction ou la peine de prison qu'il encourait si jamais il mangeait. Là, patientez. Tout D'accord. passe de chef de D'accord, train. oui, peut-être qu'il saura mieux me le dire. Merci. Je t'ai dit, il faut envoyer les gros moyens. Oui, bonjour monsieur. En fait, j'expliquais à votre collègue que tout à l'heure, il m'est arrivé à quelque chose, que j'ai assisté à une scène, en fait, de délit. En fait, c'était un monsieur qui était arabe, enfin, qui était arabe, quoi, et qui était en train de manger au McDo. C'était vers la RN6. Aujourd'hui, il a commencé le Ramadan, donc je sais qu'il n'a pas le droit. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une peine de prison? Est-ce que c'est une sanction? En tout cas, voilà, je peux vous envoyer sa photo et comme ça, vous allez lui mettre les menottes. Sont libres de faire la ramadan ou pas. Hein. Si Ah. le mec, c'est parce qu'il a un aspect musulman, qu'il mange un McDo en pleine journée, c'est un délit. Hein. Ah bon, mais lui il m'a rien fait en fait, c'était juste lui Ouais, bah qui. alors pourquoi vous nous appelez alors? Non, c'est parce qu'il était en train de manger le jour du Ramadan et je ne savais pas du Mais coup ce qu'il. fallait lui dire, fallait lui dire. À partir du moment où vous constatez un délit à vos yeux, il faut le faire remarquer. Ouais, mais moi je suis pas qualifié pour le mettre en prison ou faire de ce. Mais là, y a pas de... mais c'est la justice qui est en prison, c'est pas la police. Dans ce cas. C'est la première fois qu'on me pose cette situation-là. Vous voulez que vous renseigniez auprès de votre chef et revenir vers moi plus tard? Ouais, non, mais il n'y a pas besoin de m'en faire auprès de mon chef, c'est moi le chef. D'accord, ça va. Est-ce que vous voulez que je continue à faire le tour des restos, voir si je vois d'autres Bah Arabes qui écoutez, mangent? si c'est votre principale préoccupation, comme vous voulez. Oui, bah C'est tout. je sais pas combien de gens qui ont. Mais non! Mais non! Mais vraiment, comment vous avez fait? À la voix? Vous êtes fort. Allez, bonne journée. Ouais. Je vous laisse travailler maintenant. Allez, bonne journée, au revoir. Il est spoté par téléphone. Il m'a reconnu. Par téléphone.